Bonsoir, donc je vais vous présenter un diffuseur d'huile essentielle de chez Ares Park. Voilà. Donc dans l'emballage, vous avez donc l'humidificateur et diffuseur à huile essentielle. Vous avez aussi le câble d'alimentation que j'ai déjà branché. Un récipient qui vous permettra de doser la quantité d'eau à mettre dans le diffuseur. Donc je vais d'abord commencer par le brancher. Voilà, c'est facile, vous l'enclenchez dedans. Et ensuite, vous avez deux boutons ici pour gérer la lumière. Donc voilà, je vais appuyer dessus. Vous aurez une variation de lumière. Donc du vert à la couleur rouge. Si vous appuyez sur le bouton light, vous pourrez en fait déterminer la couleur que vous souhaitez. Donc voilà, ça s'arrête au bleu. Et si j'appuie une deuxième fois, donc ça va changer. Et dès que vous aurez la couleur que vous souhaitez, vous arrêtez d'appuyer. Voilà. Par exemple, je veux aller vers le rose. Voilà. Ensuite, le deuxième bouton ici, mist. Vous permettra de gérer tout ce qui est diffusion d'huile essentielle. Donc, voilà. On va verser l'eau dedans. Ensuite, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle. Bon, là, j'en ai pas sur moi. Ensuite, vous appuyez sur le bouton. Donc on voit une petite fumée voilà, qui s'échappe du diffuseur. Et donc c'est à partir de ce moment-là que l'huile essentielle va se diffuser au sein de votre pièce. Donc c'est vraiment un diffuseur qui est facile d'utilisation, avec sept couleurs changeantes qui sont très sympathiques. Un peu dommage qu'on entende des bips bip à chaque fois qu'on appuie sur le bouton. Ça gâche un petit peu, mais bon, c'est pas encore trop strident. Et si vous souhaitez éteindre le diffuseur, vous faites un appui long sur Light. Voilà. En termes de bruit, une fois que vous mettez en marche le diffuseur, c'est vraiment très silencieux. On ne l'entend quasiment pas. Vous avez aussi une LED verte, voilà, en bas qui vous dit que l'appareil est sous tension. Et vous pouvez aussi utiliser le diffuseur sans les LED. Voilà, comme c'est le cas maintenant. Donc c'est vraiment un produit qui est multifonction. Donc soit vous en servez comme lampe d'ambiance et sans la fonction diffuseur, soit vous l'utilisez en tant que diffuseur tout simple, ou sinon vous faites les deux.